Elle était l'une des principales figures de la Knesset. Après 13 ans de présence au sein du Parlement israélien, Tzipi Livni a démissionné mardi de son poste de députée. Le doute planait quant à l'avenir politique de l'ex-chef de l'opposition depuis sa cuisante défaite aux récentes primaires de son parti Kadima face à Shaul Mofaz. « Mes valeurs et mes principes, affirme-t-elle, me poussent à quitter Kadima. Il est vrai que je quitte la Knesset, mais pas la vie publique. L'État d'Israël est trop cher pour moi et il mérite davantage que ce que ses dirigeants lui offrent. » Des propos en forme d'ultime pic en direction de la coalition Netanyahou. En attendant un éventuel retour au premier plan, Tzipi Livni restera membre de Kadima, même si les rumeurs lui prêtent l'intention de former un autre parti, voire de rallier Yair Lapid. Elle sera remplacée à la Knesset par Yuval Zelner, suivant la liste électorale de Kadima.